Salut tout le monde, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu d'horreur qui s'appelle Dead Darkness. La mort dans les ténèbres. J'adore moi ce genre de type de jeu, ça vous donne pas envie de jouer vous? Moi oui en tout cas, parce que je suis un putain de masochiste. Allez, on y va. Oula, j'ai la souris qui sort de l'écran, enfin j'ai... Bref, c'est une démo, hein. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que c'est un jeu d'horreur indépendant. Et que ça fait peur. C'est tout ce que je sais. Je sais aussi que je crois que le jeu a planté. Ah non. Ouh. Ouais, j'ai ma souris qui reste bloquée au milieu de l'écran. C'est sombre. C'est fucking sombre. Oh ok, avançons. De toute façon, personne ne peut rien contre moi. Je vois rien du tout. Ah 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 ah. Je vois une... Fuck that. Je sais pas où je vais, je vois rien. Mais rien, c'est du noir là que j'ai. What the fuck, je suis déjà venu ici. Ah. Il y a une suite. Ok. Oh, j'ai vu de la lumière. Je comprends pas. Non, là franchement, dites-vous bien que si vous voyez rien, moi non plus. Je suis complètement paumé, c'est un putain de labyrinthe. Et vous savez, depuis le temps que vous me regardez jouer à des jeux d'horreur indépendants, à quel point j'adore les labyrinthes. Si, si. Je sais pas où je vais. Bien. En fait, je vais avancer comme ça. Je vais tout le temps tourner le dos à la lumière pour savoir si j'avance ou pas. Voilà. La lumière. Le jeu est en train de me rassurer là. Il est en train de me dire que c'est juste des couloirs avec de la lumière. Alors que c'est pas du tout le cas. Non mais sérieux, ils auraient pas pu nous mettre un briquet ou quelque chose. C'est-à-dire même le plus basique des Slender, ils te donnent... Waouh! Un trou. Comme ça, random. Un trou. Ok. Merde! J'ai pourtant essayé de sauter. Bon, quand même retenter le coup, hein, parce que là, ça va faire un peu court sinon. Bah, pour l'instant, la mort dans les ténèbres, j'ai pas tant vu, hein. J'ai beaucoup vu les ténèbres, mais la mort je l'ai vu dans un trou surtout. Est-ce que je peux seulement sauter dans ce jeu? Pour une fois j'ai pas lu le lisez-moi. J'aurais peut-être dû. Oui je peux. On va aller là dans la porte en face. Oui, allez hop. On tourne le dos à la lumière pour voir où on va et quand c'est qu'on s'arrête. Ah là, là, par là. Par là je peux pas, par là je peux. Ok. Eh, ça marche ma technique. Toujours tourner le dos à la... Toujours fixer la lumière. Pour voir où est-ce qu'on va. Parce que si vous regardez devant vous, vous allez juste être perdu. Et je parle d'expérience. Pas de lumière, pas de lumière. What the fuck? Foutez de moi. Ah. Je progresse plus vite du coup. Mais mon curseur de souris qui reste en plein milieu de l'écran, ça m'énerve. Sérieux, c'est pas sérieux ça de la part d'un développeur indépendant. Il me semble que j'ai déjà fait ce chemin avant. Faut que je me méfie, il doit bientôt y avoir le trou, je suppose. Attendez. Ah ben voilà. Ça doit être par là. Oups, tourner le dos à la lumière, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un jeu pareil? Il se passe rien. Donc là, je peux sauter, ok? Je peux courir et sauter? Oui. Pouf. On tourne le dos, toujours. Ensuite, je peux aller par où? Par là? Attendez. C'est noir complet, là. Je vois rien. Ça se trouve, je tourne contre un mur. Je cours contre un mur, pardon. Ah non. Il y a une suite. Je tourne le dos à la lumière.
Ah. La lumière se rapproche. C'est peut-être pas bon ça, non? Ah, je veux pas être méchant, mais jusque-là, c'est un peu chiant quand même. Bon, bah on tourne toujours le dos, hein. Wow! Je suis revenu à mon point de départ. Ok. On va aller tout droit alors. Y a pas. Je ne ressens pas qu'on sait que je m'écrase contre un mur. Sérieusement. Je ne sais pas où je suis. Là, je tourne la souris, mais. Je vous jure que je vois rien. Là, j'ai trouvé de la lumière, mais c'était de la pure chance, hein. Il paraît qu'il y a une fin à ce jeu. Ceux qui l'ont fini ont vraiment rien d'autre à foutre de leur vie, si vous voulez mon avis. Gauche ou droite? Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram, pique, dame, roi, as. Ce sera droite. Ouais, il y a une atmosphère vaguement creepy, mais à part ça. Bouf, quoi. Bouf, disons qu'on a vu mieux. Et attendez. Ok, je vais par là et je face comme ça. Et ensuite, je suis dans le noir. Et je... Putain, mais il doit bien y avoir une suite, bordel! Oh, je vois rien. Je sais pas comment je fais pour retrouver de la lumière à chaque fois, mais... Ah bon, y a rien ici, ok, d'accord. On va à gauche alors, pas de problème. Bah oui, c'était ça. Faut juste suivre la lumière. Voilà. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Là, je dois avouer que... Waouh. Je m'attendais à un jeu qui me fasse un peu hurler, mais non, visiblement, c'était trop demandé. Je sais pas si c'est de là que d'où je viens, j'en sais rien. J'en ai strictement aucune foutue idée. Si un truc qui est censé me sauter à la gueule alors que je marche et que je dois regarder devant moi... Waouh. Super. Et maintenant? Presti to take. Super. Et donc? J'ai un nounours. Wow. Ok, ce... Continue. Merde! Ouais, ok, d'accord. On va s'arrêter là, parce que là, franchement, je ne saisis pas. Je saisis pas. C'est... Ouais. Ça fait quand même le troisième jeu d'horreur indépendant que je trouve chiant. Et c'est con, parce que je pense franchement que ce Dead Darkness a du potentiel. Un putain de potentiel. Mais... Le noir, noir, ça ne fait pas peur dans un jeu d'horreur. Il faut de la semi-obscurité, c'est là que l'imagination elle marche et qu'on croit voir des choses. Perso, vous me foutez dans une pièce noire, noire, où je vois rien du tout, je m'en fous, hein. Mais par contre, une pièce où il y a tout petit peu de luminosité qui vous fait voir des choses qui se déplacent dans l'ombre, des trucs du genre, là je me chie dessus. Mais là, c'est juste... Non, franchement. En tout cas, si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. Pardon, je bafouille. Le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Donc, vous gênez pas, allez-y, essayez-le. Je sais juste que j'ai trouvé un ours en peluche et je savais pas quoi foutre avec. Et ensuite, il y a eu une disquette en haut à gauche de l'écran qui, je suppose, voulait dire qu'il y avait une sauvegarde. Ça... Waouh. Je peux même pas être dynamique sur ce jeu. Je sais pas quoi vous dire sur ce jeu, c'est... Dead Darkness, voilà. Que je dis avec un bel accent français. Dead Darkness. Dead Darkness. Dead Darkness. Non, c'est plutôt Dead Darkness. 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 Voilà. Donc, si vous voulez télécharger donc, et l'essayer par vous-même, le lien est dans la description de la vidéo, mais croyez-moi, vous allez peut-être vous faire un peu chier. Moi, perso, je me suis emmerdé.
Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, de mettre un commentaire dessus. Ça me ferait super plaisir d'en parler à vos amis et de la partager sur vos réseaux sociaux. Tout ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ciao les gens. C'était Nasband pour vous servir. Bye. Du noir, quoi. You win.